se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après 3-4 mois d'absence. J'avais plus trop le temps, plus trop l'envie, je savais pas trop où allait me mener ce compte YouTube. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais bien faire ça pour moi aussi, pour pouvoir parler plus longuement des lectures. Et donc voilà, je vais vous faire aujourd'hui un petit update lecture. Je pense que je vous en ferai quelques-uns dans le mois, à voir voilà, le temps que j'ai et puis les idées que j'ai aussi pour les vidéos, ce dont j'ai envie de vous parler. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs romans. J'ai décidé de vous parler de un ou deux romans par mois pour rattraper un petit peu les mois de janvier, février, mars. Et donc je vais vous parler de Sous les branches de Lydala, de Shinelo Okparanta, également de Pachinko, de Minjin Lee. Et je ferai un petit parallèle avec un livre que je viens de lire. Vous découvrirez ça juste après. Et de deux coups de cœur du mois de mars, qui sont petites, vraiment, je pense mon plus gros coup de cœur de l'année. Je vous en ai déjà parlé en post de toute façon de tous ces romans, mais ce livre, il m'a vraiment beaucoup marqué et je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup de monde, de ceux qui me suivent en tout cas. C'est un roman historique, une histoire de femme, on est en France et c'est l'histoire de Marie Tussaud, donc voilà, très intéressant, mais ouais, je vous en parle avant même de... que ce soit son tour, mais c'est pas grave. Et Un jour de plus de ton absence de Mélusine Huguette, que j'ai beaucoup aimé aussi. En fait, il y a plusieurs romans dont je voulais vous parler en dehors de cela, mais je les ai prêtés. Et donc, pour commencer, on va parler de Sous les branches de Lydala de Shinelo Okparanta, publié aux éditions 10-18. Alors, c'est un roman que j'ai lu au mois de janvier avec le Book Club Humaniste. Et le thème du mois était les relations et le combat LGBTQ. Et on a décidé de partir en Afrique, au Nigeria, et de découvrir la vie de Ihieoma. Donc, le récit commence en 1968, en plein dans la guerre ethnique, interethnique, entre le Nigeria et la République du Biafra. Alors, c'est sur fond de cette guerre interethnique qu'on découvre la vie de Ihieoma, qui va connaître beaucoup de choses, dont le deuil, et qui va tomber amoureuse de Amina, une autre jeune femme. Et donc voilà, c'est le thème de l'homosexualité qui est traité dans ce roman. J'aime pas tellement ce mot, mais j'en trouve pas d'autre pour le moment. Et c'est un roman très beau parce qu'il a été écrit sous le prisme de la religion chrétienne et de l'emprise des traditions familiales et religieuses d'un peuple, d'une mère. Et toute la beauté de ce roman, j'ai trouvé sincèrement qu'elle se retrouvait dans le personnage d'Ihieoma, qui est une jeune femme d'une intelligence et d'une bienveillance vraiment. J'ai été extrêmement touchée par sa manière de penser, de réfléchir les choses. Elle ne va pas contre sa mère, elle n'est pas en colère contre sa mère, en colère contre la religion. Au contraire, elle va tenter d'en apprendre davantage, d'aller plus loin, de rechercher derrière les mots et de montrer à sa mère, mais à elle en premier lieu, que si Dieu existe, il aime tout le monde. Et c'est ce qui est vraiment magnifique dans ce roman. Et c'est vraiment très très riche parce qu'on a une autre perspective de la pensée chrétienne, on a d'autres cheminements qui sont possibles. Et on a une jeune femme qui se cherche elle en tant que femme, qui se cherche en tant que femme dans un couple, qui cherche sa religion, qui cherche sa place dans le monde. Et c'est un roman extrêmement fort que je vous conseille sur voilà, les relations LGBT, sur un fond historique, vous savez que j'adore ça, qui se passe au Nigeria et une histoire de femme absolument bouleversante. Donc voilà, je vous le recommande, Sous les branches de Lydala de Shinelo Okparanta. Maintenant, je vais vous parler d'un de mes énormes coups de cœur de février, qui est Pachinko de Minjin Lee, publié aux éditions Charleston. C'est un roman que je vais mettre en perspective avec un autre livre que je viens de finir hier et qui traite de la guerre de Corée, donc la colonisation du Japon en Corée, enfin l'annexion du Japon en Corée du Sud. Donc voilà, je crois que c'était des années 1910 aux années 1945 dans mes souvenirs.
Et on suit dans cet énorme pavé. Il fait plus de 600 pages. Enfin, en tout cas, il fait 600 pages, ça c'est sûr. C'est une fresque familiale et historique absolument sublime. L'écriture de l'autrice, mais enfin, moi j'ai été subjuguée par son écriture. Et d'ailleurs, je l'ai dévoré ce roman alors qu'il est vraiment très gros. J'ai adoré rencontrer Sunja, qui donc est une jeune femme coréenne qui va tomber enceinte d'un soldat japonais qui est déjà marié. Et elle va se retrouver en exil pour pouvoir se sauver, son honneur. Elle va épouser un pasteur chrétien, Isaac, qui va l'emmener au Japon. Voilà, pour sauver l'honneur de sa famille et parce que cet homme est d'une bienveillance et d'une générosité qui émerveille. Et Sunja va se laisser aider, se laisser sauver par cet homme. Et on va suivre sur 4 générations la vie de Sunja, la vie de ses enfants. Ce roman est un roman extrêmement fort qui parle de l'amour, de la fraternité, des liens générationnels, du sacrifice. Sunja, c'est une femme qui est résiliente, qui est combative, qui est féministe, mais un féminisme pur. Et c'est une femme qu'on ne peut que respecter. J'ai adoré découvrir cette partie de l'histoire de la Corée. L'autrice a fait un travail assez remarquable. Elle a mis une trentaine d'années à peaufiner l'idée de ce roman, à faire des recherches et à pouvoir nous livrer ce livre, qui est vraiment une fiction, mais basée sur des faits historiques réels et sur voilà, des témoignages. C'est vraiment magnifique. Et je viens de finir un livre qui est splendide également et qui traite de la même période historique, de la guerre de Corée. Et je vais vous parler juste en quelques mots pour faire le parallèle, mais parce que je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut lire et je viens de le finir. Et donc, c'est un petit peu tout frais dans ma tête. Et donc, je voudrais vous parler de Fille de la mer de Marilyn Bracht, que j'ai lu en lecture commune. C'était déjà une expérience de lecture commune vraiment superbe. Je pense qu'avec de tels romans, c'est super important de pouvoir en parler quand on en a l'occasion. Et c'est ce qui m'a permis, je pense, d'autant l'apprécier et d'autant pouvoir voilà, le lire sans m'arrêter parce que j'avais ce sas avec les filles pour décompresser un petit peu. Et donc, on va suivre Anna et sa petite sœur Amy. C'est sur une double temporalité et en fait Anna, c'est une jeune femme qui, pour sauver sa sœur, va se faire enlever par les soldats japonais et va devenir une femme de réconfort. C'est les Japonais qui appellent ça comme ça. En fait, c'est une esclave sexuelle qui va servir l'armée japonaise pendant la guerre de Corée. C'est un roman absolument déchirant, mais qui me paraît nécessaire. Et voilà, qui est vraiment très intéressant. On va suivre la vie d'Anna en 1946 et la vie d'Amy en 2011. Et voilà, donc on a ces moments très durs avec la vie d'Anna et on a, avec cette double temporalité, des moments où on peut un petit peu souffler et découvrir peut-être davantage les combats d'aujourd'hui, l'importance de la reconnaissance de ces femmes et de tous les massacres qui ont eu lieu en fait en généralité dans le monde pendant les guerres, parce qu'il y a trop de choses comme celles-ci qui ont été mises de côté. Et je trouve que ces deux romans qui sont sortis plutôt récemment vraiment montrent très bien ce qui a pu se passer pendant cette période et dont on n'est pas forcément très au courant, nous, Français, parce qu'on n'a pas vraiment étudié ça pendant nos cours. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Voilà. Donc, c'était Pachinko et Fille de la mer, que je vous recommande beaucoup, sachant que celui-ci, alors les deux sont extrêmement durs, vraiment très très durs. Celui-ci est d'une particulière violence. Et en même temps, il est absolument sublime, mais ça va ensemble. Sauf qu'il y a des scènes de barbarie, de viol explicites qui sont amenées. On sent la réalité. Voilà, je pense qu'il faut le lire et en même temps, il faut être averti et le lire à un moment où voilà, on le sait et on entre dedans en
toute connaissance de cause. Et maintenant, je vais revenir en France. On a fini le voyage dans le monde. Et je vais vous parler d'un livre dont j'ai du mal à parler parce qu'il m'a énormément touchée sur vraiment beaucoup de choses. C'est le livre « Un jour de plus de ton absence » de Mélusine Huguette. Ce que j'espère, c'est que vous ne vous êtes pas fait spoil par les différentes chroniques parce que j'ai vu passer des chroniques assez effarantes où, en gros, l'âme du roman avait été... moi, je dis qu'elle a été souillée parce que ce qui est magnifique dans ce roman, c'est justement tout ce mystère qui nous tient en haleine. C'est toutes ces petites choses qui nous mènent jusque-là et toutes les pensées qu'on peut avoir, les ressentiments, l'amour, la haine, le ras-le-bol. C'est tout ça qui fait que ce roman est absolument magnifique et qu'il vaut la peine d'être lu et partagé. Et c'est pour ça qu'il m'a autant touchée. Alors oui, les sujets qu'il aborde me touchent particulièrement et font que ce livre est un livre très important pour moi et j'espère que les salons vont rouvrir et que je vais pouvoir aller me le faire dédicacer par l'autrice avec qui j'ai eu un superbe échange à la suite de ma lecture. Et voilà, donc en fait, je veux vous en parler parce que je veux vous le montrer. Et en même temps, j'ai pas envie de vous en parler parce que j'ai peur de dévoiler des choses et donc j'aurais peur d'en dire trop. Mais juste, voilà, on suit Jade qui est en couple avec Antoine et qui tombe enceinte. Et au lieu de ce bonheur cette envie elle a des sentiments différents. Et c'est tout ça qu'on va venir questionner. Pourquoi est-ce que cet enfant qu'elle attendait avec Antoine, pourquoi est-ce que là, elle n'accepte pas le bonheur d'être enceinte? Et c'est tout ça qu'on va questionner. On va passer par plein de phases. Au début, Jade, elle m'a agacée. Et en même temps, on la suit et on l'aime et on la déteste. Et je pense que c'est la force de ce roman. Et j'ai eu un petit coup de cœur, j'avoue, pour le personnage de Louise, qui m'a énormément touchée. Alors oui, elle a mon prénom. Forcément, je m'y suis attachée différemment. Mais surtout, c'est une jeune fille que j'ai beaucoup aimée. Et c'est un personnage secondaire qui me paraît, en fait, assez essentiel dans ce roman. Et donc, pas si secondaire que ça. Et donc, je vous conseille « Un jour de plus de ton absence » de Mélusine Huguette. Et pour finir, je vais vous parler de mon coup de cœur de ce début d'année 2021, qui est « Petite » de Édouard Carré, publié aux éditions Le Cherche Midi. C'est un roman historique qui est un roman qui suit Anne-Marie Gros-Scholz, toujours du mal, qui est en fait la fameuse Marie Tussaud. Et donc, on va la suivre de sa naissance, à peu près, on va aller vite en fait sur certaines périodes et le livre va s'arrêter plus longtemps sur d'autres, mais on va la suivre durant toute sa vie, pour ceux qui ne connaissent pas exactement son histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une sculptrice de cire et que voilà, on va suivre sa vie quand elle est embauchée auprès d'un homme pour l'aider à sculpter des visages. Elle va sculpter des visages de grands noms français que vous découvrirez parce que je veux pas trop vous en dire. Et elle va vivre à la cour de Versailles et donc on va suivre voilà, la vie de Marie Tussaud sur fond de périodes historiques marquées par la monarchie, par la guerre, par la révolution. Voilà, c'est un roman vraiment très complet et qui se base sur des faits réels et vérifiés et sur les mémoires assez controversées, paraît-il, de Marie Tussaud. Et c'est là où ce roman, je pense, que c'est là qu'il a puisé l'âme. Vraiment, ce roman a une âme. Moi, j'étais plongée avec Marie Tussaud. Vraiment, du début à la fin, j'étais avec elle. J'arrivais à m'imaginer absolument tout. Alors, bien sûr, j'ai été aidée par ces petits dessins qui sont parsemés un petit peu partout dans le roman et qui nous permettent d'un côté de pouvoir se figurer certaines choses, de pouvoir voir les gens, comprendre les outils desquels on parle et se figurer les choses. Mais au-delà de ces petits dessins, l'écriture est sublime, c'est poétique, c'est doux,
Et voilà, j'ai trouvé ce roman absolument magnifique. Et donc, je vous le conseille, Petite de Édouard Carré, publié aux éditions Le Cherche Midi. Et voilà, on va se laisser ici pour cette bête lecture. Je pense refaire une vidéo bientôt. Voilà, de toute façon, je vous tiendrai au courant un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez des idées de thématiques que vous voudriez que j'aborde, que vous trouveriez ça intéressant, etc., n'hésitez pas à me dire. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!